I'm
Alors, les habitués le savent, pose toujours la même question avant de démarrer. Alors, qui parmi vous a déjà assisté à un café numérique? Ok, donc on a au moins la moitié qui n'est jamais venue. Bienvenue à vous. Alors, pour ceux qui sont jamais venus au café numérique, le café numérique, c'est quoi? Ben, il y a deux termes, café et numérique. Café représente la partie bar, la partie networking, le numérique représente vraiment le contenu. Puisqu'on a une mission qui est celle de promouvoir les nouvelles technologies et l'innovation au plus grand nombre. Alors, on est présent bien sûr à Liège, mais on est présent aussi dans d'autres villes dans le monde. On citera notamment New York, Paris, Kinshasa, Bogota, Katmandou au Népal, Bangalore en Inde. Et alors, on a un positionnement qui est très clair entre le bar et la conférence. Ce qui est important dans un café numérique, finalement, ce n'est pas d'être d'accord ou pas avec le contenu qui va être échangé ce soir. C'est d'abord la qualité des échanges, la qualité, finalement, de la structure de pensée de chaque intervenant. C'est d'abord ça. Si vous deviez donner une cote au café numérique, c'est d'abord ça qu'il faut juger. Est-ce que j'ai appris quelque chose? Est-ce que les intervenants ont vraiment partagé ce qu'ils savaient, leur avis, sans filtre, sans barrière, et de manière compréhensible pour tous les niveaux. Parce que ça aussi, c'est le vrai challenge, c'est qu'il faut pouvoir répondre à la fois aux non-initiés, qui vient par exemple se présenter au café numérique pour la première fois et qui ne connaît pas le sujet. Ça peut être aussi un habitué qui n'est pas initié à une thématique en particulier. Mais on doit aussi répondre aux experts, aux personnes beaucoup plus initiées au sujet. Et là, ce n'est pas facile de concilier les deux. C'est pourquoi on a instauré un format qui répond le plus possible à cela. Et c'est pour ça qu'on commence toujours par des présentations suivies d'un débat. Et vous allez voir que de plus en plus, dans nos événements, on fait appel à des journalistes pour organiser ce débat, pour faire office de modérateur quand il faut faire office de modération. Nous, on se positionne plus vraiment comme organisateur. On ne souhaite pas se positionner par rapport à une thématique avec un sujet particulier. On est là pour rendre les nouvelles technologies d'innovation au plus grand nombre accessibles, pas pour faire du politique ou donner un avis. On va vous aiguiller, certes, mais notre rôle va s'arrêter là. Donc, on a un réseau qui est donc présent en Belgique et un peu partout dans le monde, avec des chiffres qui ne cessent de croître. À Liège, on devrait mettre à jour ces chiffres, mais voilà, sachez qu'on a organisé déjà plus de 100 événements, on visite plus de 10 lieux par saison, et aujourd'hui, ici, c'est la première fois qu'on vient. Merci à la HALT de nous accueillir ce soir, c'est très gentil. On espère pouvoir à chaque fois dénicher des nouveaux lieux. Ce n'est pas toujours évident puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle on est actuellement diffusé en live sur Facebook avec l'équipe d'ailleurs qu'on a ici ce soir. On a notamment Jean, Denis qui s'occupe de la technique notamment liée au live. On a notamment Romain qui s'occupe de tout ce qui est vidéo avant et après les événements avec Let's Make Content. On a Fabien qui s'occupe de tout ce qui est graphique, design au niveau du site, au niveau de la newsletter, à chaque fois qu'on a besoin d'un élément visuel. On a Frédéric qui s'occupe de toute la partie sociale. On a Sébastien et Sophie qui s'occupent de la partie trouver les bons intervenants. Ça aussi, ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut essayer d'avoir quelque chose de mixte, de varié à tous les sens du terme. Et sachez que là, à ce niveau-là, on ne sera jamais à du 100%. Donc, on essaye de faire au mieux à chaque fois.
Pierre-Alain qui s'occupe de l'expérience, par exemple, Sam qui m'accompagne un peu à toutes les tâches depuis maintenant 8 saisons. Voilà, un grand merci à l'équipe et je vais vous demander vos applaudissements pour l'équipe, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors ce soir, je vous l'ai dit, on est sur Facebook Live, on a une thématique, alors on a fait plus de 100 thématiques du coup, mais c'est la première fois qu'on parle de la sextech. Je ne suis pas expert sur le sujet, dommage. Bah, après, voilà, je suis assez autodidacte, donc il n'y a pas de problème. Thématique, mais elle ressortait, je pense, à toutes les séances de brainstorming, mais on ne savait jamais vraiment sur quel angle l'attaquer. Je pense que ce soir, avec l'expérience qu'on a acquise, on est bon pour l'attaquer, celle-là. Et pour nous aider à attaquer cette thématique, on a 4 intervenantes, 3 qui seront physiquement présentes ici et une qui sera en duplex via Skype. Dans le désordre, Charlotte, Céline, Christelle, Luana. Et je vais directement, sans plus attendre, céder la parole à Céline. Céline est journaliste chez Pure, à la RTBF. Elle est liégeoise. Alors, elle a une émission qui s'appelle Empreinte Digitale. Bien justement, c'est une excellente combinaison avec le café numérique. C'est sur les ondes de Pure. Je vous invite à checker l'émission si vous êtes intéressé, et je suppose que vous l'êtes puisque vous êtes ici ce soir. Enfin, j'imagine que c'est soit le numérique, soit le sexe, au mieux les deux. Bref, j'arrête de faire un monologue. Céline, je te cède la parole pour l'introduction et je terminerai juste avec nos partenaires ce soir. Je vous remercie. L'ALT, on vous remercie, LeanSquare, HelloMoon, Ardennes Étapes, Social Wall Pro et Yaka. Merci à vous. Et je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous revoir dans 15 jours. La thématique n'est pas encore en ligne. Sachez qu'on se verra chez Porsche pour parler de mobilité. Voilà, passez une excellente soirée. À tout à l'heure.